Thanks to treatments today, an HIV-positive person can live a full and healthy life without transmitting the virus. But mentalities still haven't evolved. J'ai reçu des mails, va crever celle-ci d'Aïque, des commentaires assassins, meurtriers. On n'ose toujours pas le dire, de peur d'être discriminé. Le dépistage fait encore peur, parce que le VIH-Sida est toujours associé à la mort. To change mindsets, we had to prove that living with HIV means living first. Santé publique France presents Letter to Myself. Nicolas, Andrea, and Christine go back in time to the day they found out they were infected to tell their younger selves how vibrant their lives are about to be. They were invited to write a letter to themselves and read it in front of a camera. To make it an immersive experience, an image of their younger self was projected and animated, thanks to AI. Nico, tu reçois cette lettre en 2010. Tu viens d'apprendre que tu es séropositif. Tu penses que le résultat de ce test est la chronique d'une mort annoncée. Tu es sous le choc, convaincu que tout est fichu. Le foot, tes rêves, ta vie. Des métiers et des pays te seront interdits. Les crédits difficiles à obtenir. Ce virus, il va t'apprendre le courage. Il va t'apprendre à lutter. À être vivant. Grâce à ce test, tu vas recevoir un traitement. Et ce virus va devenir indétectable, intransmissible. Tu auras une espérance de vie similaire à celle d'une personne séronégative. Le VIH ne t'empêchera pas de trouver un homme, ni d'avoir des enfants séronégatifs. Tu vas revenir sur les terrains, devenir coach, capitaine, présidente. Tu as des amis, une famille, un amoureux, un travail. Mais souviens-toi, ce jour de 1990, que tu penses être le pire, sache que c'est au contraire celui qui vient de te sauver la vie. For World AIDS Day on Wednesday, December the 1st, the video was broadcasted and supported by several media. Their message has quickly spread from social networks to TV shows, sparking thousands of conversations. Letter to Myself, a journey into the past to change the mindset of the present.